bien, c'est tout le monde, c'est Freak05 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 en ligne. GTA 5 online pour deux astuces qui se passeront à la plage. Alors c'est très ben, la deuxième se passera pas trop dans la plage, mais voilà. La première en fait elle est tout simple, c'est un petit wall brèche pour troller des équipes ou voilà, ou pour troller vos potes. Alors ça se passera ici dans la map, voilà. Voilà, je vais mettre un point. Attends, je mets juste là pour que ça puisse mettre un point. Voilà, là. Ça se passera juste ici dans la map. Voilà. Attendez, je remets tellement de oreillettes. Voilà. Ça se passera juste ici dans la map. Voilà. Je vais arrêter de vous montrer. Et vous allez regarder. Vous allez venir là. Vous allez me dire pourquoi t'es collé là. C'est en fait, voilà. Ici, au bâtiment bleu. Et vous allez venir de ce côté. Et là, regardez, vous allez mettre carré. Et votre personnage va monter tout en douceur. Et moi, vous voyez, je touche à rien et il vient là. Alors, c'est très simple. Regardez, si vous pouvez tuer des gens. Regardez, celui-là, regardez bien. Regardez bien sa mort. Oh, regardez-moi ce cul. Bon, bref, on va tuer. Voilà, tac. Regardez, c'est vraiment très simple à réaliser. Et si vous voulez pas vous mettre, par exemple, comme ça, vous pouvez troller vos potes comme ça. Bon, voilà, très belle image de moi. Voilà. Et si vous voulez aller encore plus, bah vous pouvez aller là, sauter, et regardez, vous n'allez pas tomber, voilà. Mais si vous allez marcher, bah vous allez tomber, voilà. Alors voilà, j'espère que ce petit wall brush vous plaira. Voilà, ensuite ce deuxième glitch, comme vous voyez, j'ai le sac des braquages. Et ce glitch, comme vous l'avez deviné, comme je parle des sacs des braquages, c'est pour avoir le sac des braquages. Can't handle the heat, my friend. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Enfin, faut bien regarder la vidéo. Mettez en pause. Enfin, pas besoin de mettre en pause, juste regardez la vidéo. You calling for some wheels? I'm Johnny on the. Mettez-vous bien dans le rythme. It's coming at you. Non, pas grave. Okay, I got stuff to do. Parce qu'il y a des potes à moi, je leur ai expliqué, mais ils ont pas réussi. Alors c'est pour vous les amis cette vidéo. Voilà, on va chercher mon Sand King XL. Voilà, voilà. Ah, youpi, je me suis fait du pompe. Sans rien faire, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors voilà. Pourquoi je mets Stars? Vous devez d'abord aller à un armurier. Voilà, l'ammunition. On va couper la musique. Voilà, j'ai écrasé un Véloman. Non, un Véloliste. Bon, je ne connais pas les noms. Pas grave, voilà. Là, on va se retrouver là-bas. On va aller sans musique, bien sûr. On va aller là-bas à l'amination. Faut que vous allez à l'amination. Voilà, à profiter de ce moment pour vous inviter à aller voir mon PSN dans la description qui vous permettra de me poser des questions, de me dire si vous n'arrivez pas à ce glitch. Ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas, je vais vous bien vous expliquer en message privé ou avec vous. Alors voilà, maintenant vous devez aller dans la mini-chain voir les armes et vous allez acheter un parachute. Ensuite vous allez aller dans sac harné et vous allez acheter le sac harné Palestine. Vous pouvez aussi acheter le sac harné vous pouvez aussi acheter le sac harné Israël, mais moi je trouve que c'est plus facile avec le sac harné de la Palestine. Ensuite vous allez vous équiper, comme vous voyez moi je l'ai pas, vous allez vous équiper avec, vous allez mettre vous allez mettre parachute, vous allez mettre parachute, et là comme vous voyez j'ai sac armé Palestine. Ensuite vous allez quitter et vous allez aller au coiffeur. Le coiffeur qui est où, voilà, qui est juste là en fait, près de mon appartement. On tourne près de mon appartement. Voilà, sauvegarde effectuée, voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, comme vous voyez, je suis tout seul dans la session. Voilà, session publique, j'ai bugué. Tout le monde a quitté de la session. Et du coup, moi, il restait plus que moi. Du coup, voilà. Pour pas
être embêté par les autres joueurs. Alors ensuite vous allez aller au coiffeur. Et c'est là que la manip va un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu se compliquer. Il y a plein de potes à moi et je sais pas pourquoi ils y arrivent pas. Alors vous devez juste aller, voilà, au coiffeur. Vous devez changer de look, voilà. Moi je veux pas changer de look. Vous devez aller dans les barbes, mais attention, il ne faut rien acheter. Vous allez juste aller dans les barbes et regarder. Moi comme j'ai celle-là, je vais aller tout en bas. Et là je vais regarder les barbes. Mais je vais en acheter aucune comme vous le voyez. Et après vous allez juste acquitter. Et voilà, vous avez le sac des braquages. Alors si vous me dites que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à mettre vos. N'hésitez pas à regarder dans la description. Il y a mon PSN. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.